Alors, Kélia, j'ai une idée de vidéo pour toi aujourd'hui. C'est quoi? Alors, est-ce que tu es prête à relever le défi pour faire un 24 heures en pyjama? T'es sûre de toi? Bon, alors, sachant qu'on est samedi et qu'on a prévu d'aller à Créteil-Soleil faire les boutiques. C'est pas grave. C'est pas grave. T'es sûre de toi? Ok, donc c'est parti pour un 24 heures en pyjama. Yes. Je te laisse choisir le pyjama que tu veux mettre pour la journée. Et après, on pourra commencer. Ok? Alors, je te laisse choisir le pyjama que tu veux. Bon, alors, tu choisis quel pyjama pour la journée? La licorne multicolore de Bigami. Ok, donc la combinaison licorne. Elle est trop belle en plus, celle-ci. Ok, bon, t'es sûre de toi? Oui, je suis sûre. Sûr, sûr, sûr. Oui. Et le petit frère qui a fait Hatchoum. Ok, bon, alors, on précise qu'Elia a pris sa douche hier soir avant de se coucher, donc on va pas la reprendre ce matin. Car dans les 24 heures, on a souvent des réflexions comme quoi, mais qu'Elia, elle ne se douche pas, mais elle se brosse pas les dents. Non, je me lave avant de commencer les 24 heures. Voilà, et pareil, elle se brosse les dents et tout ça, hein, l'hygiène, c'est important. Oui. Donc, bien sûr que si, elle se lave. Non, mais oh. Donc, là, je te laisse t'habiller. Et puis, après, on commencera. Oui, on va commencer. Allez tout Allez, vas-y. le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire les 24 heures en pyjama. Coucou à tous. Et oui, c'est parti. On va donc, Kélia va faire le 24 heures en En pyjama. pyjama. Donc, je vais te laisser te préparer. Et puis, voilà. Bon, alors, c'est bon, tu es changée. Oui. Donc, tu es prête à sortir comme ça toute la journée? Je suis prête. Bon, écoute, hein. Alors, il est quelle heure? 10h51. Bon, 10h50, on va dire. Et on commence le 24h en pyjama. Bon, alors maintenant, je te laisse faire ce que tu veux faire D'accord. pour l'instant. On attend que papa revienne car il est parti faire un petit truc. Et ensuite, on pourra prendre la route pour aller à Créteil-Soleil faire du shopping. Donc, ça va être drôle en tout cas de voir Oui. la réaction des gens en te voyant comme ça. Bon, alors il est midi 15, tu as mangé. Oui. Et maintenant, on va y aller. Alors, on va faire un petit tour de ton petit look du jour. D'accord. Alors, ta combinaison licorne. Et oui. Et tu as mis donc tes Air Max 200. 270. Voilà, et elles sont trop canon. Bon, ça va, ça passe avec la Oui. combi, hein. Et comme le temps n'est pas top top, tu vas rajouter ta ergumi. Oui. Voilà. Bon, écoute, ton look, hein, c'est pas non plus archi Waouh. top, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, hein. Eh oui. Bon, t'es prête, on y va? Je suis prête. Bon, allez, on y go. Bon, voilà, on est parti, hein. Oui. Donc, on a une petite heure de route et direction Créteil-Soleil pour aller faire du shopping En pyjama. en pyjama, bien sûr, hein. Et voilà, on arrive à Créteil. Bon, voilà, on est arrivé. Donc, voilà, elle est bien en pyjama. Allez, c'est parti, on y va. Bon, allez, c'est parti. On va aller faire du shopping. Bon, on va aller où en premier à Primark? Oui. Oui, Primark. Alors, attention, allez-y. Bon, ça va? Oui. Bon, allez, on y va. T'as dit quoi? Non, écoute, hein. On s'habille comme on veut. Oui. Et ouais, t'es pas toute nue, t'es habillée. Bon, alors. Mais en pyjama, quoi. Mais en pyjama. Mais il est beau ton pyjama. Oui, ça, c'est mes câbles. Bon, Kélia. Quoi? Sinon, c'est drôle de voir les gens comment ils te regardent. C'est marrant. Hein. Bon, tu veux faire un tour où alors là? À Claire. À Claire's? Ouais. Bon. On va faire un tour à Claire's alors. Bon, on te regarde un petit peu comme ça. C'est le but du 24 heures challenge. Tu veux l'acheter? Oui, j'aime trop. Il est trop beau en plus. Hein. Il est trop, trop, trop canon. Écoute, allez, on va en caisse. Hein. Ouais. Bon, maintenant, on va où? À Primark. C'est parti. Yes.
C'est bien drôle de voir la réaction des gens qui regardent Kélia. C'est drôle. Bon voilà, on arrive à Primark. On va aller faire un peu de shopping. Hein. Un peu, pas trop. Petite veste en jean comme ça, elle est trop belle. Hein. Elle est trop canon. On la prend ? Eh bah écoute, hein. Bon bah Kélia a encore bien craqué, oui. Hein. Bon maintenant on fait un tour pour ton petit frère. Bon, alors Kélia avait un peu chaud donc elle a mis sa combi comme ça, mais elle est toujours en pyjama. Et là il est trop beau ce haut pour ton frère. Magnifique. Il lui faut 4-5 ans 5-6 même je dirais. Il est trop beau. Ça m'a l'air grand quand même. Hein. Du coup 4-5. On va lui essayer de toute façon. Maman, elle est trop belle. Je peux la voir, s'il te plaît? Elle est trop jolie. Bah écoute, vas-y, hein, pour... Merci. Pour quand on ira à Disney cet été, elle est trop trop belle, j'adore. Elle est trop trop chouette. C'est trop beau. Ouais, c'est trop joli. Ah, cette pendule-là, elle irait bien dans sa chambre d'ailleurs, en couleur dorée comme ça. On peut la prendre? Oh, mais t'en as déjà une. C'est pas grave, on peut la changer. Tu veux qu'on la change? Bah écoute, hein. Oui. On la prend. Mais non, t'as plus de place. Non, mais c'est pas possible, t'as plus de place dans ta chambre. Elle est trop belle. Elle est trop canon. Hein. C'est bon, je l'ai mis. Mais non, il n'y a plus de place, tu vas la mettre où? Je sais pas, moi, on trouve toujours de la place. Non, bon, on a terminé notre shopping à Primark. En caisse. Maintenant, on va aller à la caisse. Et Kélia est toujours avec son pyjama. Et bah, même en caisse, elle craque encore. Il est trop beau en plus. C'est même plus beau. Bon voilà, on sort de Primark. On a bien craqué. Et on a bien craqué encore. Donc bah, si on rentre pas trop tard, on vous montre tout ça. Sinon, bah demain. Bon, alors sachant que le 24h au challenge se termine demain matin. À 10h50. Voilà, à 10h50. Donc si on n'a pas eu le temps de vous montrer tout ça ce soir dès qu'on rentre, je pense que demain matin, vu qu'on va dormir, ce sera pas possible non plus. Donc dans ce cas-là, on vous fera une vidéo haul. Pour bah, vous montrer tout ça. Bon, alors papa est parti poser tous les sacs dans la voiture. Et après, on va manger un petit truc. Voilà, après, on va aller se poser pour manger un petit truc car il est déjà 16h, je crois. Même 16h passées, je pense. Donc voilà, toujours en pyjama. Hein, toujours, toujours. Bon, sinon, tu te sens comment en pyjama? Confortable. Ouais, franchement, au moins, t'es à l'aise. Et ça te gêne pas trop que les gens te regardent? Non, ça va? Voilà, moi je trouve ça plutôt drôle en fait de voir bah, les gens te regarder en souriant en se disant mais qu'est-ce qu'elle fout en pyjama celle-là. Mais c'est plutôt drôle. Bon alors maintenant on va aller manger à lunch. Et il y a du monde hein. Bon allez on y va. Toujours en pyjama hein. Toujours toujours toujours. Bon alors voilà, on s'est posé pour goûter. Et donc t'as pris quoi? Une glace avec une boule de guimauve. Et une boule stracciatella. Et de la chantilly, bien sûr. Et de la chantilly, ça m'a l'air trop trop bon. Oui. Et moi, j'ai pris chocolat et stracciatella et chantilly. Et ça coule partout. Donc voilà, bah écoute, à bon goûter. Merci, à toi aussi. Merci. C'est bon? Et elle est toujours en pyjama, hein, je précise. Hein. Voilà, toujours, toujours, toujours. Bon bah sinon il est déjà 17h donc bah voilà hein, c'est passé vite la journée mine de rien. Bon alors maintenant on est où? À Zara. À Zara. Il est trop, trop joli. Beau. Ouais, il est trop 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 joli. Tu peux l'avoir s'il te plaît? On veut pas un Yes Man Challenge là. Hein. Il est trop joli. On fait un tour et après on verra, ok? D'accord. Et je suis toujours en pyjama. Oui, toujours en pyjama. Bon, on fait un tour. Bon bah petit shopping de fait à Zara. Et maintenant bah, on va voir ce qu'on va faire. Voilà. Et toujours en pyjama. Toujours, toujours. Toujours, toujours. Bon alors maintenant elle veut aller à Flying Tiger. Bon petit tour dans le magasin. Et après bah, je sais pas ce qu'on va faire. Mais il est déjà presque 18h. Il y a un petit peu de monde. Il les a déjà revus là. Hop.
bon petit tour à courir. Non, on est à Adidas là, je crois. Adidas, si je me trompe. Et bah toujours en pyjama. Hein. Oui, toujours. Moi j'aime bien ceux qui sont jaunes. Celles-ci, ouais, elles sont trop belles. Ouais, elles sont trop chouettes celles-ci. J'aime trop. Et t'as pas assez de chaussures? T'as pas assez de chaussures? Non. Si, c'est pas un Yes Man de challenge là. Donc on verra, d'accord? Mais elles sont belles, ouais, j'aime bien. Elles sont magnifiques. Elles sont trop jolies, oh là là. Elles sont trop jolies. Hein. Bon, alors avant de prendre la route, on fait 2-3 courses à Carrefour. Et tu es toujours... En pyjama, toujours. En pyjama, toujours. Bon, alors il est 19h. On a à peu près une heure de route s'il n'y a pas de bouchon. Donc je ne pense pas qu'on pourra faire le haul ce soir. Donc on vous fera le haul de tout ce qu'on a acheté dans une prochaine vidéo. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Donc bah nous là on va prendre la route, soit on vous reprend après, sinon bah demain. D'accord. Bon bah... À tout à l'heure. Ou à demain. Bon bah voilà, on est dans les bouchons comme je le pensais. Donc bah je pense qu'on n'est pas prêt d'arriver. Bon alors on se retrouve le lendemain. Et oui. Car hier on est rentré trop tard. Voilà, on était vraiment HS hier en rentrant. Donc on n'a pas refilmé. Alors Kélia hier soir en rentrant, elle a pris sa douche, elle a changé de pyjama. Mais elle est restée en pyjama jusqu'à ce matin 10h50 hein, car le challenge se terminait à 10h50. Et là il est 11h57. Voilà, donc le challenge est terminé. Et on peut dire que c'est un challenge réussi. Sinon, qu'est-ce que tu en as pensé justement hier de sortir en pyjama? Le regard des autres et tout ça. C'était un peu bizarre, mais ça va. Ça t'a pas trop gêné? Avant, si, maintenant. Avant, c'est... Avant, mais après, non. Au début? Oui. Voilà, donc au début, Kélia était un petit peu gênée. Oui. Et après, en fait, on en rigolait, en fait. C'était vraiment super drôle. Trop bien. Ouais, surtout de voir... Des fois, j'avais chaud. Oui, bah forcément, il faisait assez chaud dans le centre commercial, donc... Mais bon, sinon, t'es bien resté en pyjama toute la journée. Mais vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. C'était super drôle de voir la réaction des autres. C'était juste trop drôle. On a des gens, donc, qui regardaient assez bizarrement... Mais en disant, mais qu'est-ce qu'elle fout en pyjama? Donc en fait, il a regardé de haut en bas, quoi. Mais elle est vraiment en pyjama? Mais pourquoi elle est en pyjama? Et après, quand on a été à la boutique Courir, non, Adidas, oui. Il y a la vendeuse... qui a dit, j'aime trop ton pyjama. Ouais, elle a trop aimé ton pyjama, elle a trouvé ça super drôle. Quand on a été à Claire's aussi, elle a beaucoup aimé la vendeuse. Oui. Donc voilà... et sinon, bah, on a aussi eu... Il y a des personnes qui aiment, il y a des personnes qui trouvent... Qui trouvaient ça bizarre. Il y a aussi des personnes qui nous ont demandé d'où venait ta combinaison. Donc, on a dit bah, sur le site Bigumi. Et sinon, bah, voilà. Mais c'était vraiment drôle, en tout cas. Trop bien. Bon, alors, sinon, hier, sur Instagram, je vous ai demandé si vous préféreriez... que Kélia vous montre donc nos achats à la suite de ce 24h ou dans une prochaine vidéo, donc une vidéo haul. Et voilà, à 71% vous préférez à la suite de ce 24h. Donc bah juste après, Kélia vous montre bah, ce qu'on a acheté. Bon alors bah, je te laisse montrer tout ce qu'on a acheté hier. Alors sachant que dans tout ça il n'y a pas ce qu'on a acheté au petit frère à Primark, parce que sinon ça va être beaucoup trop long à tout montrer. Donc là c'est vraiment ce qui est voilà, à Kélia. Donc il y a eu Zara, il y a eu Claire's et Primark. Alors bah vas-y, montre-nous alors. Alors on va commencer par Claire's. Ok, alors vas-y. Donc t'as craqué pour une petite chose. Oui. Et il est trop beau. Mini licorne. Voilà, il est et trop trop beau. Depuis longtemps. Voilà, elle voyait beaucoup de monde avec à Disney. Et on se demandait mais où il l'avait eu. Et puis bah on l'a vu à Claire's. Donc voilà. Direct. Et il est trop trop beau. Hein. Il est magnifique. Et maintenant on passe à Zara. Alors montre-nous ce que tu as trouvé à Zara. Alors j'ai pris un t-shirt qui se porte court. Vraiment j'aime trop la couleur. Ouais, il est vraiment super sympa. Donc c'est un petit t-shirt qui se porte assez court. Donc bon, j'étais pas trop pour. Mais voilà, j'ai accepté et je lui ai dit pas à l'école. Donc oui. tu ne mettras pas ce t-shirt pour aller à l'école, clairement. Mais ouais, vraiment, il est super sympa.
Et donc la couleur, j'aime bien aussi. Il y en avait plusieurs d'ailleurs, il y avait plusieurs couleurs. Mais voilà, je lui ai dit pour commencer, on prend celui-ci et ensuite on verra. Parce alors que... là, ça, c'est du 9 ans et ça a coûté 4,95€. 4,95€, c'est vraiment pas cher, hein. C'est des petits hauts super sympas et pas cher du tout. Mais ça se porte court. Donc voilà, autant les suites et tout, ça passe. Mais voilà, donc on verra. Donc ensuite. Ensuite, un t-shirt mini. Il est trop joli, vraiment j'aime trop. Ouais, et puis il fait très printemps-été, oui. J'aime trop les couleurs. Non, vraiment, il est trop canon celui-ci. Alors c'est du 9 ans, il a coûté 10,95€. Voilà, mais il est vraiment trop beau celui-ci. Hein. Moi j'aime trop en tout cas. Et maintenant on passe à Primark. Voilà, alors à Primark, il faut savoir qu'on n'a pas acheté que ça. Car on a aussi un gros sac rempli pour le petit frère. Mais bon, on va pas vous montrer ce qu'on a pris à Tilliane, sinon ça va durer trop longtemps. Donc on vous montre vraiment ce qu'on a pris qu'à Kélia. Alors j'ai pris des paires de sockets et des chaussettes. Tu t'es trompée en montrant là. Oui. T'as dit sockets en montrant les chaussettes. Alors j'ai pris des paires de sockets et des paires de chaussettes blanches. Voilà, blanches toutes simples. Et voilà. Alors, ensuite. Ensuite, une casquette. Voilà, une casquette, elle est super sympa. Donc, bah voilà. Ensuite. Une autre casquette. Une autre casquette. Mais celle-ci, ce sera. Pour Disney. Pour aller à Disney quand on ira. Quand il fera beau en fait. Donc, elle est trop canon en plus. Ensuite. Un masque Stitch. Voilà, il est trop beau aussi. On n'a pas dit les prix. Ça 3,50€. Ok. La casquette 4€. Et celle-ci 5€. Et le masque de 3,50€. 3,50€. Vous nous demandez très souvent en commentaire le prix des articles qu'on achète. Mais là, il n'y a plus les commentaires. Donc, on va essayer de tout vous dire dans la vidéo pendant qu'on vous montre. Ce sera beaucoup plus alors, simple. Alors ensuite, un baume à lave-licorne, il est magnifique. Alors, je vais essayer de vous le montrer de plus près. Hop. Et par contre, on ne sait pas le prix. Alors, il n'y a pas le prix. Donc, c'est un petit baume à lèvres comme ceci. Il est trop mignon. Et c'est un licorne, mais il n'y a pas du tout le prix dessus. Oui. Donc, on ne pourra pas vous dire. Ensuite, j'ai pris deux paires de lunettes à 2€. Voilà, alors ce ne sont pas les deux mêmes. La couleur en fait du cadran, c'est ça, est différente. Donc voilà, mais elles sont super jolies pour l'été. 2€, pas cher. 2€, voilà, c'est pas cher du tout. Ensuite, un masque. Voilà, alors Kélia voulait tester ce masque. À 2€. Alors en fait, c'est un masque avec des orbises. Je vais vous le montrer de plus près. Il y a plein d'orbises dedans. Donc je crois qu'on doit le mettre au frigo, je sais pas trop, donc on va regarder comment ça s'utilise. Mais voilà, il est super joli, il y a plein d'orbises à l'intérieur et donc il est à 2€. Donc voilà. Alors ensuite une brosse licorne, vraiment elle est magnifique, à 4€. Ouais, elle est vraiment trop belle cette brosse. Je n'ai pas assez de brosse. Ouais, t'as pas assez de brosse je crois non plus, hein. Mais elle est trop jolie celle-ci. Ensuite. Des boucles d'oreilles. Alors des boucles d'oreilles, je vais vous les montrer de plus près. À 3€. Alors voilà comment elles sont. Elles sont vraiment super jolies. Donc voilà, et puis 3€. Donc c'est vraiment pas cher pour toutes les paires qu'il y a. Donc il y en a 12 en tout. Donc voilà. Alors ensuite, un baume à lèvres Ariel. Il est trop joli. Et aussi on sait pas le prix. Ouais, il n'y a pas écrit le prix dessus. Donc je vous le montre de plus près, c'est un baume à lèvres comme ça, donc Tsum Tsum Ariel, voilà, là on le voit mieux, il est vraiment super chouette, donc dommage, il n'y avait que celui-ci, en tout cas, c'est plutôt sympa. Alors ensuite, une horloge dorée à 9€, elle est super belle. Ouais, elle est vraiment trop belle et elle ira très bien dans ta chambre pour remplacer celle qui est en haut juste là. Donc voilà, elle est un peu plus grosse, donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, elle est super sympa. Je vais vous la montrer de plus près. Donc voilà, elle est vraiment trop canon. Donc elle est comme ça, en couleur dorée. Et elle est vraiment super chouette. Alors maintenant, on passe aux vêtements. Alors, je te laisse tout sortir, voilà. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple.
Alors. Alors, on commence avec un t-shirt mini. Voilà, alors il est trop trop beau celui-ci. Hein. Il est trop beau. Vraiment, j'aime trop. D'ailleurs, tu l'as en rouge. Et tu l'as aussi en noir avec Mickey. Mais vraiment, ces t-shirts-là sont trop canons. Alors, c'est quelle taille? Alors, c'est du 10-11 ans et ça a coûté 9 euros. 9 euros, donc voilà, il est vraiment trop beau. Et tu l'as aussi pris... En Daisy, donc voilà. Vraiment, ils sont trop, trop, trop canons. Donc voilà, même taille, même prix. Mais vraiment, ils sont trop, trop chouettes, ces t-shirts. Alors ensuite, un autre t-shirt... Voilà, alors dessus c'est écrit Everyday Fashion Blogger. Donc bah écoute, hein, je trouvais qu'il t'allait bien ce t-shirt. Donc voilà, et il était à... Alors c'est du 9-10 ans, il était à 1,90€. Donc voilà, vraiment pas cher pour un t-shirt. Donc plutôt sympa, en tout cas il est super joli. Alors ensuite... Ensuite, un autre t-shirt blanc cette fois. Et donc, il y a écrit Dream Shine Dance. Voilà. Et il est super canon aussi. Hein. Alors, du 9-10 ans, il a coûté 2,50€. Voilà, donc toujours pas cher. Donc, c'est des t-shirts qui restent simples, mais assez jolis. Alors, quoi. Ensuite, une chemise de nuit LOL. Elle est magnifique. Ouais, bon, Kelly, elle a craqué dessus. Hein. Donc, elle est vraiment, mais trop, 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 trop belle. Donc, c'est une chemise de nuit, donc pour dormir. Hein. Mais elle est vraiment trop, trop, trop canon. Et donc, c'est du 9-10. Oui, c'est du 9-10 ans, elle a coûté 8 euros. Donc voilà, vraiment, elle est trop, trop, trop canon. Vraiment, j'aime trop. Ouais, elle est trop jolie. Alors ensuite, une veste en jean rose. Ouais, elle est trop canon. Hein. Elle est trop belle. Kélia, pareil, elle a flashé dessus et elle se porte courte. Donc voilà, Kélia, en ce moment, elle aime beaucoup tout ce qui se porte court, comme les sweats qui se portent court, les hauts pour cet été qui se portent court. Et voilà, donc là, elle a trouvé cette veste en jean. Rose clair, rose pâle. Alors, c'est du 10-11 ans, elle a coûté 15 euros. 15 euros, donc essaie de la montrer donc fermée, voilà, comme ça. Et voilà, donc elle est vraiment mais super sympa. Bon, en tout cas, elle est magnifique. Ouais, je pense que c'est un de mes coups de cœur de ses achats. Ensuite, un t-shirt. Donc, un petit t-shirt avec écrit Amour toujours Paris. Donc voilà, il est trop joli. Il se porte un peu court, voilà. Et donc... Alors, ma taille, c'est du 10-11 ans, il a coûté 6 euros. Ok, donc vraiment pas cher. Alors ensuite, un t-shirt licorne. Voilà, alors il y a écrit dessus Unicorn Power. Alors, c'est avec des sequins réversibles aussi. Donc voilà, et bah, c'est un t-shirt qui se porte... court. Voilà. Alors, c'est du 9-10 ans. Et il a coûté 7 euros. Voilà, donc suivant les tailles, ça dépend. Kélia, elle est entre le 9-10 et le 10-11 à Primark. Ça dépend vraiment des vêtements, comment ça porte. Ensuite... comment ça taille. Ensuite. Ensuite, comment dire. Alors, une salopette short en jean blanche. Donc voilà, donc elle est trop canon aussi pour cet été. Et donc là... Alors, c'est du... 9-10 et elle a coûté 15 euros. Voilà, mais elle est vraiment super sympa. Trop belle. Ouais, vraiment super jolie. Alors ensuite, un t-shirt qui se porte court. Bon, il se porte pas très très court celui-ci, ça va encore. Mais ouais, il est vraiment trop joli et les couleurs, voilà trop. Quoi. Trop chouette, hein. Et donc dessus, il y a écrit « Believe in your dream » et il y a une licorne, si on la voit bien. On l'avait même pas vue, nous, au début. Oui. Et on l'a vu tout à l'heure quand on a regardé les vêtements. Donc voilà, je vais vous le montrer de plus près. Parce que de loin, on ne voit pas la licorne en fait. Oui. Alors hop, voilà. Là, on la voit la licorne. Et les couleurs, en tout cas, j'aime trop. Pour printemps-été, c'est trop chouette. Alors, c'est du 10-11 ans, il a coûté 7 euros. 7 euros, ok. Ensuite... Pour finir, un jean. Et après, on aura terminé. 9-10 ans, il a coûté 15 euros. Donc 9-10 ans, 15 euros. Et il est vraiment super sympa ce jean. Et ici, il écrit « Oh là là ». Voilà, j'aime beaucoup la coupe. On peut voir en bas des jambes, pareil, j'aime beaucoup. Il est vraiment super sympa. Et donc, je vais vous montrer au niveau de la poche. Il écrit « Oh là là ». Voilà, hop, juste ici, il y a écrit « Oh là là ». Donc, il est vraiment super chouette. Et donc, voilà, il y a des petites choses comme ceci. Et donc, en bas, il est comme ceci. C'est vraiment super canon.
Bon, bah voilà pour ce petit haul de fin. Pas petit, plutôt grand. Ouais, il est pas si petit que ça. Hein. On a quand même bien craqué encore hier à Primark. Mais voilà, nous on craque toujours là-bas. Ils font vraiment des trucs super bien et vraiment pas cher. Donc voilà, Kélia doit refaire sa garde-robe pour le printemps-été. Donc moi, c'était l'occasion. Puis on y retournera de toute façon. Et moi, j'ai adoré ces 24 heures. Voilà, donc c'est la fin de ce 24 heures de challenge. C'est trop bien. Et t'as bien aimé alors? Oui. Eh ben écoute, c'est trop bien alors. Bon matin, je vous fais plein de bisous. Mettez des pouces bleus et surtout, abonnez-vous. Ciao, ciao, bisous.